Bonjour, chers amis, encore une poésie, La mort des pauvres par Charles Baudelaire. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir, oui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir, à travers la tempête et la neige et le givre. C'est la clarté vibrante à notre horizon noir, c'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre, où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique. C'est la bourse du pauvre et ses patries antiques. C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. Et voilà, je lis encore une fois par ligne. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. À travers la tempête et la neige et le givre, c'est la clarté vibrante à notre horizon noir. C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre, où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique. C'est la bourse du pauvre et sa patrie antique. C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus.